Allez, préparation pour la régate. Bouge-toi. Bouge-toi. T'as vu comment il tente, papy? Mais j'ai vu. Oui, mais faut que tu te bouges, par contre. Ah, moi. Ah, j'ai pas compris. Bon, je pensais pas là. Je pensais que tu parlais à toi. On est déjà en retard. Si on est sûr de pas passer en avance. Salut les copains! Eh ben ça y est! On est pour la régate, on est prêt. On est un petit peu loin, je crois, du départ. Là, moi, je sais pas, vous n'allez pas voir à la caméra, mais les bateaux sont là-bas. Et on est 5 bateaux, et pour l'instant, je dois être le 4e à mon avis. Il y en a un derrière, je sais pas s'il est avec nous. Je suis un peu déçu, je pensais qu'il y aurait eu un peu plus de monde, mais non. Bon, après, 5 c'est bien pour. Fais gaffe, il y a des filets là par contre. Il y a des petits drapeaux là. Après, non, c'est bien. Pour une première expérience, c'est bien. On a eu le briefing donc tout à l'heure. Et puis là, on se met en route. Allez. Bon, ça y est, le départ est donné. C'est un peu. Mine de, on se prend au jeu et c'est un peu stressant. En plus, on a un peu de vent. Donc, bon, on va pas se plaindre. Hein. C'est cool. Mais c'est cool. Donc là, le départ est donné. On n'a toujours pas passé la ligne. Mais je pense qu'on ne sera pas les derniers, parce qu'il y en a qui sont un peu dans le flou aussi. Ah bah il a fait demi-tour. Bon lui il trima un rang de course, on va pas s'en occuper, c'est pas notre objectif. Moi ce qui m'intéresse c'est l'océaniste qui est devant là. Je sais pas si on va le voir. Voilà. C'est mon objectif, c'est lui. Allez, on se prend au jeu. Allez, on fait un petit point. On est dernier. On est dernier, je pense qu'on arrive bientôt à la bouée dans. Ouais, peut-être dans 20 minutes, même pas. Donc mes concurrents sont là, bon ils sont pas très loin. Hein. Je remonte un petit peu, j'ai l'impression sur eux. On est quand même dans le paquet, donc c'est pas trop mal. Le bateau il avance bien, on est à 5 nœuds 5, avec un vent donc arrière à 12 nœuds 5. Donc il faut rajouter les 5 nœuds, donc ouais, c'est ça, on a un vent de 17 nœuds quoi, à peu près. Il est à peu près stable, et un petit peu moins de ce qu'ils avaient prévu sur Windboro. Je me suis fait une retenue de baume un petit peu vite, et là je m'aperçois qu'il faudrait que ça tire un peu plus en arrière quand même. Bon. Ça évite les problèmes, on a déjà fait un empannage un peu sauvage, donc voilà. Heureusement, tout tient bien. Mon équipage est au taquet. Et j'ai le père, donc mon père qui est dans la cabine, je sais pas ce qu'il fabrique, il va ressortir, il va être malade. D'accord. Et puis là je vais vous laisser, je vais mettre les voiles en ciseaux pour pouvoir reprendre un peu de cap. Parce que... Ah bah là on va reprendre des forces là. Merci. T'as un truc qui a débouché? Ouais bah attends. C'est pour toi, tu vas te reconnaître. Parce que la dernière fois je l'ai loupé.
me vois bien là? Ouais. Alors pour ceux qui ont la ref, je vous laisse le mettre en description. Ah, ça n'a pas fait. J'en ai une deuxième essai. Ah, loupé. Bah, j'ai pas encore le truc. C'est comme la voile, il va falloir s'entraîner. Hein. Tu veux un truc, toi? Non, merci. J'ai un coca. Ah, bah, je veux bien, en fait. S'il te plaît. Ouais. Allez, à notre régate. Allez, on a passé la première bouée. Donc, on est au près. Et on a une petite houle sympa. Et puis, le bateau, il est vraiment bien raide à la toile. Au début, j'étais prêt à mettre un riz parce que. Comment dirais-je, comme j'ai ma fille à bord, c'est la première fois qu'on navigue avec autant de vent, je voulais mettre un riz, mais en fin de compte, elle le supporte. Ouais. Ça va? Oui, je suis juste fatiguée. Hein? Je suis fatiguée en fait. Ah oui, et ça. Et là, on fonce, on va essayer de rattraper les autres. Voilà. Allez, on fait un petit point. Bon, on est sur l'arrivée, on est bon dernier. Mais bon, c'est une expérience sympa, partagée avec mon père et ma fille. Et du coup, là, on arrive dans pas longtemps. Alors, je vais vous montrer, mais je pense pas que sur la caméra, on voit quelque chose. On a le bateau moteur qui est là et la bouée jaune qui est sur son tribord. Et on a un autre bateau, je crois que c'est le petit trimaran ça. Alors le petit trimaran, il était bien parti et là je sais pas, on est revenu quand même un peu sur lui. Après la stratégie elle a été mauvaise du fait que sur le parcours il manquait une bouée donc on était tous un peu perdus. Et le comité nous a demandé de virer de bord et de se mettre au 30, mais en fin de compte, on était trop juste, beaucoup trop juste. Donc là, comme on est face au vent, on fait que du près depuis tout à l'heure, donc on s'amuse à faire des virements de bord. Bon bah après l'euphorie on est passé à l'énervement. Comme vous pouvez le voir j'avance mais j'ai pas de voile. Comment se fait-ce? Bah tout simplement parce que je me fais remorquer. Voilà. Donc 5 minutes après la dernière séquence de vidéo. Avarie voile,
Donc j'ai le génois qui m'a lâché au coin d'un mur. Donc on signale au comité de course que on rentre au moteur, qu'on passera pas donc le dernier point. Et puis bah avarie moteur, problème de refroidissement. Donc j'ai démonté la turbine. Et puis je me suis aperçu que la turbine s'est désolidarisée de l'axe. Heureusement j'en ai une avec moi. Je la change. Toujours pas d'eau en sortie. Donc entre temps j'arrivais pas à joindre le comité, donc eux ils ont vu qu'on était en galère. Donc ils sont venus nous rejoindre et puis nous ont récupéré. Donc là on rentre donc au port et puis je vais voir si je m'en occupe là ou voir si ça repart ou pas. Et voilà, on est bientôt arrivé, maintenant on va voir comment ça se passe, parce que j'en ai aucune idée. Je sais pas s'ils vont me ramener à ma place ou s'ils vont me déposer ailleurs. Là on arrive au port. Donc je pense qu'ils vont se mettre à côté de moi et puis ils vont m'emmener. Bon bah sur ce, parce qu'après moi j'ai un peu de boulot donc je vais pas vous reprendre. Donc bonne navigation à tous ceux qui commencent leur saison. Et puis à bientôt. Salut.